Et salut, c'est Boisdin et je suis avec Le chef. Bienvenue dans ce deuxième épisode de On devine des youtubeurs, on dessine des youtubeurs. Et voilà, ça va être très drôle. Le premier était avec Varoba, j'espère que ça vous a plu. Et là, je suis avec le chef. C'est moi. Est-ce que tu connais les règles? Il faut dessiner des youtubeurs. Ouais, mais il y a des règles un peu plus précises. Est-ce que tu les connais? Tu Il me veux semble qu'il faut que je dessine un youtubeur et que tu dois deviner c'est qui est le youtubeur. Si tu devines, t'as un point. Si tu ne devines pas, c'est moi qui ai un point. Alors voilà, ça c'est la règle qui a changé. Il vient de le dire. Avant, si on devinait pas l'autre, celui qui dessinait n'avait pas de points. Maintenant, si je ne devine pas qui dessine avant qu'il ait fini son dessin, il a un point. Et le but, c'est toujours de dessiner rapidement et de faire en sorte que l'autre ne reconnaisse pas avant la fin du dessin. Donc ça veut dire qu'il faut dessiner plus ou moins rapidement et pas très bien. Voilà. C'est ça qui est marrant, parce que si on devait bien dessiner, cette vidéo serait trop longue. Et c'est là que ça va être très dur pour moi, parce que j'ai une espèce de don naturel pour le dessin. On dessine que les portraits, et à la Voilà. fin, le perdant doit tweeter au youtubeur que l'autre aura choisi son dessin en étant très sérieux, en disant que c'est un fan art qu'il estime vraiment très beau. Et ben c'est parti! C'est parti, tu commences, je commence, qu'est-ce qui se passe? Tu commences. Je commence, d'accord. Alors c'est parti pour le premier youtubeur. J'ai un temps particulier. Non, faut pas que je devine. Faut pas que je devine. Il y a une oreille, déjà il y a une oreille. On reconnaît ton style très particulier, un petit peu manga comics. Voilà. Ah, un petit nez. Il y a du level, il y a du level. Alors on dirait Vegeta. Oui, mais non. Ah, il y a une petite barbichette. Oui. Squeezie. Non. Non, c'est quelqu'un Lucas Télé. Non. Ah merde, mais tu vas trop vite, tu vas trop vite. Quel niveau de dessin? Il y a une mèche. Continue jusqu'à que tu trouves ou... Non, quand c'est si... Enfin, là, il y a le portrait, il y a la tête, hein, c'est fini. C'est fini. J'ai perdu, hein. J'ai perdu. T'as perdu? J'ai perdu. J'ai perdu. C'était Ichiban, j'ai Ah, perdu. J'ai Ichiban! essayé. Il est très bien. Ça, Il est très très j'essaie de bien. faire son Et regard, en disant ça Lucas m'énerve. Télé, j'étais pas très loin. T'étais pas Il y avait très un loin. rapport avec le Japon. Mais j'ai perdu, ça fait un point pour le chef. Donc c'est à moi, alors je n'ai pas Le du tout focus. le même style de dessin, mais... J'espère que c'est une chaîne YouTube que je connais quand même, parce que Si, sinon... mais normalement on fait que des trucs qu'on connaît, D'accord. Ichiban je connais. Ganesh 2? Non. Je sais pas. Bon, c'est quelqu'un qui est âgé, visiblement. Non, je fais toujours des cernes à tout le monde. D'accord. Que je connais... J'ai un axe de réflexion ou pas? Oui, tu connais, tu connais. Il a une barbe, c'est Usul! C'est Usul! C'est Usul! Comment t'as fait? Comment J'ai t'as la fait? forme de visage Bah maintenant, ouais, j'ai fait mais... un visage plutôt mince. Mais alors attends, faut que je le finisse. Bah j'aurais fait des lunettes, quoi. Non, des lunettes un peu plus... Voilà, basse. Ça vient peut-être du fait que dans chez Varou, il y a le poster que t'avais fait, où il était dessus. Voilà, c'est Usul! Ça. Usul Master! Voilà! Another one. 2 points pour moi. Bah franchement il est pas mal. Non, franchement il est pas mal. Franchement j'aurais pas honte de le tweet. Oui, tweet. 2 points pour toi, je suis dans le caca. T'aimes bien les profils, hein. Ah non, là c'est vraiment profil profil. C'est pas trois quarts comme tout Vraiment. à l'heure. C'est un chapeau, c'est une casquette? C'est un bonnet. Un youtubeur avec un bonnet. Merde. Ah il a les cheveux longs, il a les cheveux longs. Ah, je vois pas du tout. Je vois pas du tout. Ah, et des lunettes. Mais merde. Crawling f... Dari. Exact, c'est ça. C'est Dari. Alors, j'ai pas dit... C'est temps mort. Temps mort. C'est en référence au Bon. nettoyeur de mythes que j'aime Nettoyeur, beaucoup. nettoyeur de mythes qui d'ailleurs a été censuré dans Voilà, sa j'allais le dernière... dire, qui est très très bien. Allez voir sa chaîne, vous allez voir, c'est très sympa. Et puis il est très ressemblant, Dari, pareil, là, il n'y a pas de honte à le tweeter. Alors, on est Non. vraiment trop fort, on est vraiment trop trop fort. Surtout moi. Un point, Deux, deux pour moi. points. Alors, ah bah t'aimes bien les profils, je vais faire un profil aussi. Je suis moins doué que toi pour les profils, c'est pas grave. C'est Janonymous. C'est Janonymous, mais comment tu Ah, fais? j'ai conduit comme Comment tu fais? flaquette. Bah ouais, mais la rouflaquette. Ah, j'aurais dû faire la rouflaquette beaucoup plus tard. Et après, je voulais lui faire la coupe à la David Tennant. C'est Janonymous. Janonymous, pareil, allez voir sa chaîne, c'est extra. Il parle Trois points. de même internet. Il a un cosplay permanent de David Tennant. Par contre, là, je suis un peu moins fier. Là, je suis un peu moins fier de moi. Celui-là, elle est pas Mais, très... non, non, ouais. Elle me reconnaît quand même. Il a reconnu à cause des rouflaquettes. Bon bah c'est Ah. à toi. Moi c'était mon deuxième. Donc a priori t'es parti pour une deuxième défaite. Ah non c'est qui avait... Non c'est Non, c'est Varro qui Varro avait qui avait perdu la perdu. dernière C'est fois. Varro qui avait perdu. Ouais, il est triste. Pas forcément. C'est quoi ses yeux?
personne est complètement shootée ou endormie. David Lafarge, qui pleure. Bon, combien de temps t'as perdu? Bruce. Non. Bah, bon, il pourrait être chauve, hein. Il pourrait être chauve. C'est ressemblant ou pas? En vrai, là, c'est ressemblant. Quand tu vas savoir, t'as dire c'est ressemblant. Ah bon? Ouais. Ah bon. T'es sûr que je connais? Oui. Ouais? Obligé, tu connais. J'ai pas dit que tu regardais, mais tu connais. Ibra TV. Non. Thibaut InShape. Non. Je sais pas. Bah, y'a un côté Bruce. J'ai pas intérêt de perdre. Quoi? Non, j'ai plutôt pas intérêt de perdre. J'ai fini. Quoi? Mais. C'est qui? T'abandonnes. Bah, mais j'ai perdu là, de toute façon. T'as perdu? Dans tous les cas. C'était Alain Soral. Mais c'est un. C'est un youtubeur. Il ressemble. Ouais, mais c'est lui là. Mais je pensais pas à lui. C'est vrai que je pourrais dessiner Mélenchon. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que j'avais pas pensé, mais. C'est un youtubeur. Je connais. C'est pour ça que j'espère ne pas perdre. C'est de devoir partager ça. Il fait un fanart d'Alain Soral. J'aurais... C'est dommage que tu puisses. Alors là, il peut plus perdre. Je vais dessiner le dernier pour le sport. J'ai même pas envie, mais bon. Mais. Il ressemble. Mais oui, il ressemble. Alors. Je l'ai pas. En fait, c'est 2-3 détails qui vont te mettre sur la piste parce que je sais même pas si tu regardes en fait. Mais je pense que tu connais. Il a les cheveux très très courts. C'est pas Experiment Boy? Non. Non, mais je crois que je l'ai mal fait. D'accord. Ah, bon, ça c'est une barbe? Ouais. C'est Mister MV? C'est Mister MV. Mister MV pleure. Ça va quand même. C'est vrai que sans la barbe... Mister MV, voilà. Tu t'es fait défoncer littéralement. Ouais, 5 points à 2, je me suis fait défoncer. Voilà. Donc tu veux que je tweete lequel? Alors mon plus beau c'était le premier. Usul, j'aurais aucune honte à le tweeter. Donc Mister MV, ça va encore. Le pire c'est Anonymous. Mais lequel, la réaction duquel serait la plus drôle? Tu vas poster mon Alain Soral et ça veut dire que c'est le tien. Non, ça marche pas. C'est pas dans la règle. C'est pas dans les règles. On va dire Mister MV. Y'a pas tes lunettes Mister MV? Non, tu rajoutes rien. Reste tel qu'il est. C'était un bon choix ou pas? Est-ce que ça te fait bien chier? Ça me fait un petit peu chier. C'est ton jeu, hein. C'est toi qui as montré les règles. D'assumer, hein, de dire ouais. Ah ouais, j'y vais. On va l'enregistrer en petit pour faire croire que c'est en petit. Ça ressemble pas du tout. Il a un regard dégénéré. On dirait Guy, genre. C'est ce que j'ai dit en créant. C'est ce que j'avais dit en créant cette émission. Le pire, c'est que en tant qu'illustrateur. C'est vraiment de la mauvaise pub. Si je perds, c'est vraiment de la mauvaise pub. Ah ouais, c'est pour vrai, moi. C'est son gagne-pain, lui. Ouais, ouais. Merde. J'ai un Tipeee, si vous voulez. Voilà. Ils vont en avoir besoin. Je peux mettre fait en 2 minutes? Non. Ah là là. C'est ressemblant, hein. Petit fanard du vrai beau Mister MVR. J'espère que tu es content, Marc. J'espère que ça te plaît. Marx. Où je mets le cœur à la place du smiley. Voilà. Enfin, c'est pire le cœur. Ah, ouais. Bah ouais, allez, vas-y, j'assume. Peut-être qu'en allant à fond dans le délire, les gens ils vont voir que c'est du troll. Allez. Voilà. Voilà, il y a plus qu'à attendre. Je mettrai, comme j'ai fait à Varro, je mettrai le tweet en description pour que vous puissiez le liker, le RT. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Et on va conclure cette vidéo. J'ai même pas envie de voir les réactions de Mister MV. j'ai aucune, rien du tout. Ou de mes abonnés. Ça va être un unfollow. Je sais pas s'il follow pas. Non, il me follow pas. Il follow pas. La grosse honte. 5-1. En plus, on l'avait tué. 5-1 ou 5-2? On l'avait tué dans PUBG avec Nota Bene. On s'était foutu de sa gueule. Bah là, il va pouvoir se foutre de ma gueule. J'espère que ça vous a plu. On en fera d'autres. Vous inquiétez pas parce que vous avez bien aimé. On peut faire une revanche, hein, moi je suis chaud. La prochaine fois que tu viens, on fait une revanche si tu veux. Tu leur dis. Bah à bientôt sur YouTube. Je sais pas. Voilà, mettez un gros pouce bleu, commentez, abonnez-vous et mangez des frites.